lancement ce mercredi 25 mai 2022 à Goma des travaux du 6e congrès des jeunes femmes politiques et entrepreneurs de la sous-région des Grands Lacs. Des travaux objectifs, conscientiser les femmes pour leur participation aux instances de prise de décision en marche des élections à venir. Le détail dans cet élément de Patrick Sialoua. Des femmes politiques et entrepreneurs issues de plusieurs provinces du pays participent depuis ce mercredi 25 mai 2022 à Goma au 6e congrès régional des jeunes femmes politiques et entrepreneurs, avec pour thème la participation politique et autonomisation financière de la jeune femme dans la sous-région des Grands Lacs. Cette conférence de 3 jours qu'organise l'ASBL, Congrès international congolais, vise une série d'objectifs, déclare Madame Noapia Chanel, présidente de ce 6e congrès des jeunes femmes politiques et entrepreneurs. Susciter les femmes dans l'ambition de gestion des affaires publiques. Outiller les femmes membres de partis politiques et celles ayant des ambitions politiques dans des conditions utiles dans leur carrière politique. Vulgariser les différents instruments juridiques nationaux et internationaux visant la promotion et la protection des droits des femmes. Inculquer aux femmes les techniques de prévention et de résolution pacifique de conflits. Initier et encourager les femmes à la culture entrepreneuriale. Sensibiliser et impliquer les femmes dans le processus de la consolidation de la paix dans le sous-région du pays de Grands Lacs. La particularité de ce 6e congrès et la participation des femmes des pays voisins, déclare Madame Tatiana Nguya, présidente nationale de l'ASBL Congrès international congolais.